YouTube, joyeux Vlogmas. On s'en va faire des petites commissions parce que on a un échange de cadeaux parce qu'on va chez des amis pour le party de Noël. Puis on a un échange de cadeaux, puis il nous reste un petit cadeau à l'acheter. Fait qu'on s'en va chez Walmart. Yeah! YouTube, c'est Wes. Donc voilà, on est rendu finalement à la maison. Oui, enfin, après cette première journée de travail. Je suis brûlé parce qu'on a rentré une grosse commande ce matin, là, puis il y avait genre comme 300 morceaux, fait que 300 boîtes de beignes pesantes. Ben là, pas juste des boîtes de beignes, là. Puis j'ai pas levé les 300 boîtes tout seul, évidemment, j'étais avec deux autres personnes. Donc c'est ça, fait que c'était une grosse journée, ok. Puis on avait des petites commissions à faire ce soir, comme je vous disais au début du vlog. Il fallait terminer, dans le fond, les achats de cadeaux parce que, oui, vous le savez, on ne fait pas de cadeaux, nous, et on a arrêté de faire ça depuis quelques années. Mais là, cette année, on a été invités chez nos amis Daniel et Chantal pour faire un souper de Noël. Ça va être ça, on a vraiment hâte, là. On sait déjà qu'on va passer une super de belle soirée. Puis, où c'est que je m'en allais avec ça? Oui, l'échange de cadeaux, donc voilà. Puis eux, ils font une échange de cadeaux. Fait que moi, j'ai pigé quelqu'un, Dani a pigé quelqu'un. Nous aussi, évidemment, on a été pigés. Puis moi, j'avais déjà fait une partie de mon cadeau la semaine dernière. Puis c'est un cadeau d'une valeur de 25$. Fait que là, j'avais trouvé pour 20$ une partie du cadeau. Il me restait 5$. Fait que j'ai acheté des gratteux pour 5$. Fait que je me suis dit, ça va être parfait. C'est une personne quand même d'âge mûr. Fait que je me suis dit, il va être bien content. Je pense qu'il est dans la fin soixantaine, début 70. Là. Fait que c'est des belles pantoufles très chaudes. Mais là, sont emballées. Je peux pas vous les montrer. Mais en tout cas, on a aussi acheté ça ici, chez Jean Coutu, du beau papier cadeau. Je sais pas si vous voyez depuis le début, là, la petite fumée ici. Je me suis acheté un humidificateur personnel. Fait que c'est un Home Medic. Dans le fond, je l'ai acheté chez Walmart. Je l'ai payé 25$, puis je me suis dit je vais le mettre sur ma table de chevet la nuit pour dormir. Ça va m'aider dans le fond avec mon nez sec, ma gorge sec puis tout ça parce que oui, je parle beaucoup, j'arrête pas de parler, fait que j'ai vraiment de la difficulté à reposer ma voix, c'est comme impossible pour moi. Je suis avec mon travail là, puis là en plus que tu sais, je fais des vidéos Vlogmas. Fait que j'aurais pas envie de canceller Vlogmas genre pour me taire quand j'arrive chez nous le soir. Puis dans le fond, ça finit par se replacer, c'est juste c'est plus long que si j'arrêtais de parler pendant une semaine là, ça me ferait vraiment du bien, mais je ne peux pas. C'est ça. Pour les achats, dans le fond, l'autre partie du cadeau, c'était pour un jeune homme d'une vingtaine d'années, ok? Fait que là, je vais montrer le cadeau, ok, dans pas long. Fait que Daniel, si tu regardes cette vidéo, arrête de regarder maintenant parce que sinon tu vas voir le cadeau. Hein. Comme c'est pas à toi, c'est pas même grave, là, mais en tout cas. Fait qu'on avait trouvé une partie du cadeau, ok, parce qu'on était allé chez Walmart au début, puis je savais qu'ils vendaient des chandails des Canadiens chez Walmart. Mais je trouvais pas la grandeur qu'il fallait, ok? Juste pour faire exprès, là, si j'avais été magasiné pour moi, il n'y aurait pas eu ma grandeur, ok? Mais là, comme j'allais magasiner pour quelqu'un d'autre, puis ça me prenait du small, il n'y en avait pas. Il y avait juste du médium, du large, puis du X-large. Fait que, juste pour vous donner une idée, là, c'est des chandails quand même amples. Je regardais le médium, là, puis j'aurais probablement pu rentrer dedans, ok? Juste pour vous dire, là, fait que là, je me suis dit, lui, il est fait petit. Fait que small, on oublie... pas small, mais médium, pour lui, on oublie ça. Fait que c'est ça. Fait que finalement, on avait trouvé ça ici, ok, l'étui de téléphone. C'était dans les options, genre de ce qu'on pouvait acheter. Fait que ça coûtait comme 14$. Fait que là, j'étais comme, là, qu'est-ce qu'on va acheter d'autre pour que ça fasse 20$, 25$, pardon. Fait que là, j'étais comme, tu sais, c'est un jeune en plus dans la vingtaine. Fait qu'on va pas y acheter des gratteux, là. Ça fait un petit peu plate. Finalement, on est allé ailleurs et devinez quoi, les amis, on a été tellement, mais tellement chanceux. On a trouvé encore plus qu'un t-shirt du Canadien. Je vais vous montrer ça. Regardez comment c'est beau. C'est un tricot, ok, du Canadien. Il est officiel, évidemment, de la NHL, ok. C'est une chose officielle. C'est un genre de tricot, puis ça ici, c'est brodé, là. C'est vraiment brodé après le chandail, c'est pas juste collé là, en plastique, c'est vraiment dessus. Puis il y a une petite poche à l'avant, genre style kangourou, ok. Il y a un capuchon,
ça avec des beaux cordons, là, avec des bouts en métal. OK? Puis on a tellement été chanceux, là. La valeur du cadeau, il faut aller acheter pour 25$, OK? Puis ce truc-là, d'habitude, il vaut 50$, puis on l'a payé à 25$ en spécial. Fait qu'on était vraiment contents. Je vais juste vous montrer, là. De toute façon, c'est pas grave si je vous montre le prix, parce que tout le monde se fait un cadeau de 25$. Bon, on a vraiment été chanceux, puis lui, il va avoir un cadeau qui vaut vraiment plus cher, mais qu'on a payé 25$. Fait, comme vous voyez, il est à 49 d'habitude et 99, puis là, on l'a payé 24,99. Chez Jean Coutu. Je me serais jamais attendu de trouver un chandail des Canadiens chez Jean Coutu. Mais il est vraiment beau, sérieux, s'il y avait eu ma grosseur, moi qui n'ai pas un fan des Canadiens, je l'aurais acheté pareil. Et en terminant, bon, on s'est arrêté à la SAC et puis on est allé s'acheter une petite bouteille de Gallo ici. Je sais pas si vous êtes des amateurs de vin, mais moi, oui, mais ça dépend. Okay? Je suis pas le genre le grand vin, genre à faire des... puis le recracher dans mon verre, puis tout ça, là. Moi, un vin, il faut juste qu'il goûte bon en bouche, faut qu'il soit buvable, puis d'acide, OK? Fait que, tu sais, les connaisseurs qui crachent dans leur verre, ce n'est pas mon genre, d'accord? Fait que c'est ça, Gallo, c'est vraiment un vin qui coûte pas cher. Il est super buvable. Fait que si, genre, vous êtes quelqu'un qui aimait un peu le vin, mais qui avait de la misère avec les gros vins corsés et tout ça, je vous dis, achetez le Gallo rosé, là. Il est super bon, il est vraiment pas cher, puis il rentre facilement à un point que c'est dangereux. Dans le sens que tu bois, puis tu te rends compte de rien tellement qu'il rentre bien. Puis là, un moment donné, tu te lèves, puis t'es comme, oh, tu te rends compte que finalement, il fesse dans le dash. Puis pour terminer, les amis, parlant de cadeaux, j'ai reçu un cadeau aujourd'hui, puis je suis super content. Vous savez, je vous l'avais dit la semaine passée, mon amie Chantal, qui est aussi mon assistante au team, est en vacances, puis elle faisait un petit voyage, une petite escapade à New York, pardon. Puis elle me ramenait un beau souvenir, puis je vais vous la montrer, regardez ça. Une belle tasse de New York. Avec la Statue de la Liberté, l'Empire State Building. Regardez ça, comment c'est cute! Le pont de Brooklyn aussi, qui est quelque part, là. Je le vois pas. Ah oui, il est ici. Le pont de Brooklyn. Puis l'intérieur de la tasse, il est rouge. Puis regardez comment c'est cute! La petite cuillère. Elle a son petit trou ici dans l'anse, qu'on peut la ranger. Et voilà. Et pour brasser. Sauf que moi j'ai peur, je sais que je vais la péter si je brasse avec. Fait que je pense pas que je vais l'utiliser pour brasser. Mais ça fait vraiment cute. Puis merci beaucoup Chantal. À toutes les fois que je vais prendre un café, je vais penser à toi. Dans ma belle tasse New York. I want to be a part of it. New York, New York. Ok, je me calme. Fait que voilà les amis. J'espère que vous avez beaucoup aimé notre nouvelle chaîne. On est super contents. On s'est rendu compte qu'on est rendu à genre 36 abonnés. Wow! Depuis, notre chaîne est là depuis hier, on a 36 abonnés déjà. Vous êtes vraiment gang! On est rendu à plus de 120... On a 129 visionnements déjà sur notre seule et unique vidéo qui est sur la chaîne depuis hier. C'est vraiment cool, on est super contents. Puis j'espère que vous avez aimé aussi les bloopers que j'ai mis ici hier. La fois qui était mon vlogmas d'hier. C'est vrai qu'on a vraiment eu du fun, okay, à tourner cette vidéo-là. Comme vous avez pu voir, ben moi j'avais du fun. Danny trouvait ça long parce que moi j'arrêtais pas de rire comme un épée, là. Ça c'est moi, ok? Quand il faut pas je ris, puis quand il faut que j'accouche, je fais juste rire, ok? Puis comme Danny disait, si vous avez lu les commentaires sur la vidéo, on l'a recommencé à peu près 20 fois, ok? Puis moi j'arrêtais pas de rire. Puis qu'ils aient ça, fait que... C'est ça, gang. Fait que si vous êtes toujours pas allé voir notre nouvelle chaîne, Deux drôles de gays, n'hésitez pas à y aller. Je vais vous la mettre juste ici, ok? Juste en haut. Puis à la fin de la vidéo, vous allez pouvoir cliquer sur le petit i, puis vous allez pouvoir avoir la chaîne qui va apparaître ici, puis vous allez pouvoir cliquer dessus, puis aller vous abonner pour nous encourager, puis pourquoi pas la partager. Bon, voilà, les amis d'amour, c'est tout pour ce Vlogmas d'aujourd'hui, le Vlogmas 20. Oui, déjà, on est déjà rendu au 20e Vlogmas. Il reste 5 dodo au Vlogmas, les amis. Il reste 5 dodo, 4 dodo au Vlogmas. Puis, c'est ça, je vais voir si le 24, il y a possibilité que je puisse faire un petit moment de vlog, parce que ça va être la soirée, dans le fond, chez mon ami, où est-ce que je suis invité, chez Daniel et chez Chantal.
Fait que, ben c'est ça. Fait que je sais pas si je vais pouvoir vlogger là-bas. Je vais essayer de faire un petit coucou. Puis c'est ça. Fait que, ben je vous aime fort, les amis. Je vous donne plein de becs. Puis oubliez pas de vous abonner, de commenter juste en bas, de liker la vidéo. Un prochain vlog, merci, les amis. Bye, je vous aime.